présence policière importante. Donc des forces de l'ordre qui sont en train de chasser, tels des cafards, les personnes qui commençaient à s'assembler ici afin de rendre cet hommage. Il n'est pas autorisé pour les gens de se rassembler afin de procéder à ce type d'hommage, ce type de revendication. J'étais avec mon ami, je me suis garé là-bas à l'Arc de Triomphe avec ma moto. J'ai rencontré une autre copine, j'ai discuté avec elle, les agents sont arrivés, ils m'ont pris ma pièce d'identité, ils m'ont mis 135 € d'amende. Pour quel motif? Rien, j'ai rien reçu, ils m'ont pas donné de papier, rien du tout. Et eux vous ont dit quoi? Rien? Ils m'ont dit que ils avaient repéré sur les caméras que je faisais partie d'un groupe. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils vous ont repéré sur les caméras et vous faisiez partie d'un groupe. Voilà. Alors, j'ai simplement dit que j'étais pas d'accord avec ce qui se passait au gouvernement, mais que c'était... c'est pour ça que je suis contre ça. Vous avez l'impression qu'on vous enlève une liberté fondamentale? Oui, tout à fait. Parce que regardez, il n'y a personne. Je suis tout seul. Je suis tout seul, j'ai rien dans le sang, j'ai rien du tout. J'ai comment briquer mes trucs. Et mais malgré ça, mais je suis convoqué par la police. Qu'est-ce que vous ressentez? De la colère, de la haine? Parce que j'avais rien fait de mal, je suis pas venu là, j'ai jamais eu d'histoire. Qu'est-ce que vous allez faire à l'avenir? Je continue à manifester. Si je veux manifester, je manifesterai. Et c'est pas la police qui m'empêchera de dire mes opinions. Voilà. Oui, bien sûr, l'IGPN. On va s'asseoir l'IGPN. Voilà. Et pourquoi l'IGPN? La police des polices. C'est la police des polices. Ils ont fait une erreur judiciaire. Ils m'ont dit, vous mettrez sur votre PV qu'on a fait une erreur judiciaire. Je dis bien. Ils nous prêtent ton canon. On ne sait pas pourquoi ils nous contrôlaient. On n'était pas d'accord. Parce que vous êtes venu là, pourquoi? Nous, on se promène. Ouais, vous promenez, voilà. On fait du shopping. J'aurais dit qu'on n'a pas le droit de se promener, il a dit non. On a le droit de se promener. Et par contre, s'il nous retrouve dans un groupe, dans un rassemblement, là, aujourd'hui, il nous met 135 €. 135 €. Et par contre, ils ne sont pas obligés de mettre des gants. Hein. Ils sont porteurs sains. Ouais. Voilà. Donc ils peuvent nous toucher. C'est pas normal. C'est une agent. C'est là qui dit ça doit être une femme. J'aurais dit de ne pas me toucher. Tu sais, tu demandais son matricule et tu pouvais... Et puis il nous a traité quand même de folle parce qu'il a dit les psys n'ont pas travaillé pendant le confinement. Oui, c'est ça. Ils nous prenaient pour des folles. Donc c'est pour ça qu'on était dans l'état où il a dit qu'on était dans un état policier quand même. Ah ouais. Vous les avez sentis sur deux? Très sur deux, oui. De toute façon, c'est normal, ils ont carte blanche. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Ah, ils ont les papiers. Là, je pense que Moudin et le préfet de police leur a donné carte blanche. Moudin veut se faire venir. Ils arrivent. Moudin qui fait plaisir aux commerçants. Ils arrivent. T'as pas de papier. Quatre heures. Et si tu mets la télé, et vous donnez une petite barquette comme ça là, c'est même pas.